Oh yala, ça va bien aller, ça va bien aller, je vous le promets. Oh, oui, de toute façon, quand ça va mal, ça va bien. On devient tellement créateur, on veut tout le monde que ça aille de mieux en mieux, toujours de mieux en mieux, c'est extraordinaire. On crée des arcs-en-ciel. Merci aux enfants de nous aider. On crée des obligations. Oui, qui fera en soi que le beau bon sang arrive au Québec. Là. Ah oui. Je compréhensionne que probablement que des fois, on peut être inquiet. C'est normal. Mais il semblerait que tous les besoins essentiels sont comblés. C'est extraordinaire, hein? Oui, oui. Donc, il n'y a pas d'aratio dans le papier de toilette. Il n'y a pas d'aratio dans la nourriture. Il n'y a pas de ratio dans les matériels médicaux. C'est extraordinaire. Oh, c'est fantastique. Mais parfois, il y a eu dans ce qu'il y a eu dans. Des situations malencontreuses. Comme par exemple, des fins de vie inévitables. Mais il semblerait que si on fait attention à tout ce qu'on touche, on peut peut-être avoir des grandes surprises. Ça va peut-être aller mieux. Mais de toute façon, en arrière-plan, il y a toujours toute une grosse équipe qui nous aide, qui s'aide dans l'ouvrage pour nous. Ça me fait penser beaucoup à une ruche de Daniel, oui, qui transforme le miel en sucre, en mécane à sucre, pour nous donner de l'espoir, quand on sait que le sucre nous aide à avoir l'espoir. Ah, je vous le dis, il est justin de savoir que si la tendance se maintient, nous allons nous en sortir. Un peu comme un oiseau qui sort d'un trou d'eau, là, comme ça. C'est extraordinaire. Hein? Mais pour l'instant, il faut en profiter. Il faut profiter d'être avec soi-même, d'être avec notre conjoint, d'être avec nos enfants et de transmettre le virus le plus important de la planète, le virus de l'amour et de la tendresse. Ah, c'est extraordinaire. Et si jamais l'envie de sortir vous pogne aux tripes, ben je vous conseille de faire une sortie téléphonique. Appelez vos amis, appelez vos parents. Je suis celui qui attend votre appel. Ah, moi, là, je suis certain. J'ai confiance en votre vigilance. J'ai confiance en votre virus de tendresse et d'amour. Et je suis confiant que ça va bien aller. Oui. Alors, sur ce, à la prochaine.